Chapitre 10. Jérôme le Jeune, science et foi. À l'hôpital Necker. Nous sommes à Paris, l'hôpital Necker des enfants malades. Les parents y viennent avec leurs petits gravement atteints. Cela vous serre le cœur. Ils arrivent inquiets, désemparés, épuisés. Leur bébé est handicapé. Inquiétude pour l'avenir, difficulté pour assumer la situation. Partagés entre le rejet de cette créature qui bouleverse leur existence et l'amour qu'ils ressentent instinctivement pour leur enfant. Le bureau du célèbre professeur s'ouvre, on les appelle. Ils rentrent intimidés. Le professeur nous accueille avec le sourire. Courtois, amical, mais respectueux. Il se tourne vers le bébé, demande son prénom et l'appelle. « Petit Pierre, tu viens avec moi ?» Il le prend dans ses bras, demande à la maman d'enfiler la blouse blanche et lui propose une chaise. Elle s'assied, il lui pose le petit Pierre dans les bras, s'assied en face d'elle et du papa et il ausculte l'enfant sur les genoux de sa maman. Pour nous, ces simples gestes sont une révélation. Ce n'est pas un malade que ce médecin examine, c'est notre enfant. Puis, il explique tout. Quelle est cette maladie? Quel est l'avenir pour cet enfant et pour nous-mêmes? Il nous rassure, répond à toutes nos questions, nos angoisses. Avant de nous quitter, il nous dit « Si vous le souhaitez, à la prochaine visite, venez avec les grandes sœurs. Elles aussi ont le droit de savoir et de comprendre. » Nous partons avec notre bébé, apaisé. Il nous a fait découvrir notre amour de parents. Magnifique scène pleine de tendresse qui a dû se répéter de nombreuses fois. J'ai voulu la transcrire littéralement, car elle nous fait connaître plus qu'un long discours qui était le professeur Lejeune. Un grand savant qui était en même temps quelqu'un de profondément humain, d'une grande bonté, toujours disponible et accessible, attentif aux besoins et aux souffrances des autres. Il rentrait tous les jours déjeuner avec ses enfants, raconte sa fille, renonçant au repas d'affaires qui lui permettrait d'entretenir des relations professionnelles. Le soir, il était de retour à 19h30 pour pouvoir prendre le repas en famille, avec ses enfants. Jamais il ne refusait de répondre à une de nos questions parce qu'il n'avait pas le temps. Je revois son regard concentré dans une lecture ou dans la rédaction d'un texte. Nous arrivions la bouche en cœur. « Papa, tu peux me réparer mon costume de cow-boy ?» Quand il voyait pour nous que c'était important, il ne répondait pas « Tout à l'heure, tu vois bien que tu me déranges. » Il laissait le texte de sa conférence ou ses calculs scientifiques pour réparer un pneu de bicyclette, fabriquer un arc, recoller une poupée cassée et répondre aux questions les plus incongrues. Après la prière du soir, il embrassait ses enfants. Il récitait avec eux un Notre Père et un Je vous salue Marie, et l'on terminait par guérissez tous les malades. Un grand savant. Cet homme attentionné et modeste était un grand savant, l'un de ceux par lesquels la science franchit des étapes fondamentales. La recherche scientifique est une œuvre collective. Le plus souvent, elle progresse par un travail d'ensemble, par l'apport parfois imperceptible de 1000 petites conquêtes. C'est comme quand on construit une maison. Des briques, du travail de finition, des points d'appui sur lesquels d'autres peuvent édifier, des corrections à apporter, des étapes franchies. Tout ce travail, parfois obscur, est nécessaire et il ne pourrait pas y avoir de travail scientifique profond et solide sans cet héritage, dont tout chercheur est plus ou moins conscient. Cependant, parfois, exceptionnellement, des génies apparaissent qui ouvrent une brèche et découvrent des horizons nouveaux. Le professeur Lejeune est célèbre dans le monde pour avoir découvert l'origine de la maladie que l'on appelait alors le mongolisme et que, à la suite de ses travaux, on appellera la trisomie 21. On l'assimilait alors à une tare raciale, à une régression de certains traits physiques d'une race vers l'autre. On croyait aussi qu'elle était une conséquence de la syphilis ou de l'alcoolisme des parents, ce qui ajoutait à la douleur de ceux-ci, déjà atteints par le drame de la naissance d'un enfant handicapé. Ces préjugés, ces fausses pistes, barraient la route à une compréhension de la cause et de la nature de la maladie, et donc d'une possible thérapie.
Sensible à la détresse de ses familles et de ses enfants, Jérôme le Jeune consacra ses études et ses recherches à remonter aux causes de cette infirmité, en vue de pouvoir ensuite trouver une manière de la soigner. La génétique était alors à ses débuts. On savait, depuis 1956, que, dans l'espèce humaine, le nombre de chromosomes est toujours de 46, alors que pour les primates, par exemple, est de 48. En 1958, il parvint à démontrer que la maladie était due à la présence d'un 47e chromosome. Il s'agissait d'une découverte particulièrement importante. Pour la première fois, on mettait en évidence un mécanisme totalement inconnu jusqu'alors. Un nouveau champ extrêmement fécond s'ouvrait à la recherche médicale. On pouvait commencer à envisager la possibilité de prévenir et de soigner non seulement cette maladie, mais aussi des nombreuses autres dont l'origine demeurait encore inconnue. Le monde médical, d'ailleurs, ne s'y trompa pas. D'abord accueilli avec hésitation, sa découverte va attirer rapidement l'attention des spécialistes du monde entier. On se rend à Paris pour connaître ce jeune chercheur qui travaillait avec une petite équipe et un microscope de fortune et dont on découvrait les travaux. Très vite, Jérôme le Jeune est invité à des congrès internationaux, nommé docteur honoris causa de diverses universités, membre ou lauréat de nombreuses académies et sociétés savantes étrangères. En 1962, il reçut des mains du président des États-Unis le prix de la Fondation Joseph Kennedy pour la recherche sur les maladies de l'intelligence. Quelques années après, lui est remis le prix William Allen, la plus haute distinction en génétique au monde, qui n'a plus jamais été décernée à un Français. En 1964, on créa la chaire de génétique humaine à la Faculté de médecine de Paris, et le jeune fut nommé professeur. Il s'agissait d'une procédure dérogatoire prévue exceptionnellement pour l'auteur d'une découverte majeure, car on ne peut être nommé professeur de médecine sans avoir réussi auparavant le concours de l'internat. Note. Le jeune n'était pas interne. Lorsqu'il voulut passer le concours de l'internat, il prit le métro dans le mauvais sens et il arriva en retard à l'épreuve. Comme c'était sa troisième tentative, il ne put se présenter à nouveau. De ce fait, il abandonna le projet de devenir chirurgien et il s'orienta vers la recherche médicale. Fin de note. La découverte en génétique de Lejeune ne se limite pas à la cause de la trisomie 21. Avec son équipe, il découvrit d'autres maladies liées à des aberrations chromosomiques. Il aurait pu encore continuer les recherches dans ce sens. C'était une voie grande ouverte, avec des publications, des invitations, des prix et récompenses à la clé. Mais sa seule ambition était de trouver au plus vite le traitement qui soulagerait les patients. Aussi, c'est surtout dans ce sens qu'il orientera par la suite ses recherches. Trouver la manière de neutraliser ou d'éliminer le chromosome supplémentaire. Dans sa vie, le professeur Lejeune côtoya les plus grands savants et les hommes politiques les plus importants. Il connut personnellement le pape Paul VI qui, en 1974, le nomma à l'Académie pontificale des sciences. Jean-Paul II liera avec lui une profonde amitié et l'invitera plusieurs fois au Vatican, à la messe qu'il célébrait et à sa table. Cependant, au fait de sa gloire, il demeurera toujours un homme simple et modeste. Les patients, qui venaient du monde entier, étaient surpris de n'avoir à payer que le prix d'une consultation spécialisée, sans qu'ils demandent des dépassements d'honoraires, comme tout praticien de réputation mondiale a normalement le droit de le faire. Comme tous ses collègues, il aurait pu ouvrir une consultation privée, lui permettant de gagner davantage, mais il se refusa pour se consacrer généreusement au service de ses malades. Le dimanche, on le voyait à la messe avec sa famille et participait à la chorale de la paroisse. Il était toujours simple et attentionné avec les gens qu'il fréquentait. Sa récompense était la joie que lui donnaient les petits malades, les familles qui sortaient réconfortées des entretiens médicaux avec lui. C'était des joies très profondes, on peut le comprendre, comme quand il reçut ce poème que Cécile, une enfant trisomique, écrivit en l'honneur de son professeur. « Mon Dieu, s'il vous plaît, veillez sur mon ami. À ma famille, je déplais. Lui me trouve un peu joli, car il connaît de quoi mon cœur est fait.
Il y en a des beaux, certes, mais le sont-ils réellement ceux qui se moquent impunément? Son combat pour la vie. Les découvertes du professeur Lejeune ont révolutionné la génétique et ouvert des voies à la recherche thérapeutique. Tout naturellement, dans les années 60, il fut pressenti à plusieurs reprises pour le prix Nobel. Puis soudain, tout ce monde qui avait reconnu ses découvertes, exalté ses mérites, décerné prix et récompenses, se raidit. Progressivement, on passa du silence gêné au rejet, à l'opposition, à la condamnation et à ce que l'on peut appeler, sans nulle exagération, la persécution. Car le professeur Lejeune avait eu le courage et la loyauté de sacrifier sa carrière pour défendre la vérité. Ce courage et cette loyauté qui sont le privilège des hommes supérieurs. C'était en 1969. Jérôme Lejeune est invité à San Francisco pour recevoir le prestigieux prix William Allen. C'est là, à la veille de la remise du prix, qu'il apprend que tout un mouvement d'idées commence à se dessiner pour légaliser l'avortement dans le cas des grossesses pouvant donner naissance à des enfants trisomiques. Des généticiens américains, en utilisant justement sa découverte, ont mis au point des techniques permettant un diagnostic prénatal pour savoir si l'enfant attendu est sain ou trisomique. On pourra ainsi se débarrasser des enfants handicapés mentaux avec le prétexte, barbare et inhumain, qu'ils sont voués à une vie inférieure et qu'ils gêneraient irrémédiablement le bonheur de leur famille. Quant à son arrivée à San Francisco, il apprend avec stupeur que sa découverte, qui aurait dû permettre une avancée vers la thérapie des maladies mentales, était détournée de sa fin, justement pour supprimer ces pauvres personnes, il est atterré. Tout un monde, tout un idéal s'effondre autour de lui. Il décide alors de relever le défi. Il se refusera de jouer le jeu, de se faire le complice de ses projets, ne fût-ce qu'en fermant hypocritement les yeux. Dans la soirée, il modifie le texte de la conférence qu'il doit prononcer le lendemain, lors de la remise du prix, pour montrer, en scientifique et en spécialiste reconnu de la génétique, que l'être humain commence à l'instant de sa conception. Avec données à l'appui, il va expliquer à son auditoire que, dès le début, le patrimoine chromosomique est exactement celui d'un être humain complet. L'embryon est donc un petit homme, et le supprimer est un crime. Si petit qu'il soit, tous les renseignements sur son physique, sur son tempérament, ses aptitudes, sont inscrits dans sa carte d'identité génétique. Qu'il aura les yeux bleus, les cheveux bruns, qu'il aura un tempérament colérique et passionné, qu'il sera doué pour les maths. Dès le début, il a toutes les caractéristiques du petit homme qui va se développer. Un silence glacé accueille la fin de la conférence. Pas d'applaudissements, pas de félicitations. On l'évite, on se détourne de lui. Du coup, il va se retrouver isolé parmi ses collègues. On ne lui pardonnera jamais d'avoir dit la vérité haut et clair, d'avoir placé la conscience face à ses obligations. À partir de ce moment, le combat est engagé. Partout où il ira, profitant de la tribune qui lui est offerte, il affirmera la vérité à laquelle un scientifique, une personne honnête, ne peut se soustraire. Il comprend très bien que sa carrière est en jeu, mais il entrevoit aussi les perspectives qui, à plus ou moins court terme, s'ouvrent. L'on glissera inévitablement de l'avortement thérapeutique à la légalisation de toutes les interruptions de grossesse, dès lors que l'on pourrait alléguer d'une gêne pour la mère. Car si on refuse, contre toute évidence, de considérer l'embryon comme un être humain, et l'on s'arroge le droit de décider de sa vie, rien n'empêche plus qu'on le considère comme un objet que l'on peut accepter ou refuser, accueillir ou supprimer. Il fustigeait d'ailleurs ceux qui, pour excuser le meurtre, avaient inventé la théorie que le petit homme que la maman porte dans son sein n'est un homme que s'il est désiré et accepté par ses parents. Ils ont découvert cette théorie étonnante qu'il suffit de penser très fort que quelque chose qui est en train de se développer était humaine pour qu'elle le devînt, mais que si l'on pensait assez fort le contraire, alors la chose, par une étrange perception, s'en apercevait, et par une sorte d'infusion d'un esprit sociologico-parental,
lui interdisant l'humanisation, la chose ne s'humanisait pas. Quelques semaines plus tard, il participe à un congrès à l'ONU. On débat sur l'avortement. On évoque tous les clichés et lieux communs. La mort des femmes par avortement clandestin, la pitié pour les enfants handicapés qui viendraient au monde, les souffrances psychologiques des parents, les droits des femmes à disposer de leur corps. Le professeur Lejeune est le seul à prendre la défense de l'enfant que l'on s'apprête à condamner à mort. Il n'est pas insensible à la détresse des parents. Personne comme lui sait la partager et la soulager, comme on l'a vu en des centaines de cas à l'hôpital Necker. Mais en tant que scientifique, il sait qu'avorter, c'est tuer un être humain, et l'on ne protège pas quelqu'un en tuant un innocent. Votre institut de santé, Health, lance-t-il, se transforme en institut de mort, Death. Le soir, lorsqu'il écrit à sa femme, comme il le fait chaque jour, il lui confie « Aujourd'hui, j'ai perdu le prix Nobel ». Mais il ne le regrette pas. Il est des combats qu'il faut savoir affronter. Désormais, il s'engagera à fond dans la défense de la vie. En 30 ans, il ne donnera pas moins de 164 conférences en français ou en anglais dans les universités et fondations des pays d'Europe et d'Amérique, d'Australie, du Japon, du Moyen-Orient et dans l'ex-bloc soviétique. En France, où, malgré le proverbiable esprit critique dont on se flatte à plus ou moins juste titre, on est loin d'être à l'abri de l'influence des modes de pensée d'outre-Atlantique. La légalisation de l'avortement est proposée dès 1972. Le professeur Lejeune multiplie les interventions, tant dans les congrès que dans la presse ou à la télévision. Il participe aux débats, aux meetings. Il organise des pétitions et il obtient la signature de 18 000 médecins, ce qui, dans un premier temps, fait reculer le projet de loi. Mais progressivement, il est isolé, lâché par ses amis. Les hommes politiques sur lesquels, en principe, il aurait dû pu compter, lui ferment les portes. Le Premier ministre refuse de le recevoir pour ne pas s'opposer au ministre de la Santé qui défendait la loi sur l'avortement. Silence aussi, et cela est bien plus triste, de la part des autorités religieuses. Bien sûr, il y eut des manifestations de solidarité et de loyauté, aussi bien de la part d'un certain nombre de ses collègues que chez des personnalités civiles et religieuses. Mais dans l'ensemble, l'attitude générale était à la tergiversation, au silence complice. Bientôt, on passa de la critique à l'opposition de plus en plus violente. On l'accusa de culpabiliser les maires, de vouloir instaurer la dictature de l'ordre moral. On essaya d'acheter sa conscience pour qu'il se taise. Il y eut de véritables agressions, et pas seulement verbales. Des groupuscules organisés perturbaient ses meetings. Une fois à la mutualité, on l'empêcha de parler, on hurlait, on lui lança du mou et des tomates à la figure. Des graffitis apparaissent sur les murs de la faculté de médecine. Le jeune assassin, il faut tuer le jeune, à mort le jeune et ses petits monstres. Dérive obscurantiste en plein XXe siècle. Cela peut sembler incroyable, mais ce fut ainsi. On pourrait penser que ce fut le fait de quelques surexcités. C'était plus grave. Car au XXe siècle, où l'on ne jure que par la science et où l'on arrive même à penser naïvement que celle-ci est l'unique critère de vérité objective, l'idéologie dominante s'employa à faire taire la voix de la conscience. Pour avoir dit haut et fort une vérité scientifique, la carrière de Lejeune fut bloquée. Ses recherches prometteuses sur les maladies de l'intelligence furent entravées. Désormais, il ne sera plus jamais invité à un congrès international de génétique. On lui supprimera les crédits de recherche. Il perdra son laboratoire et la possibilité de financer l'équipe qui travaillait avec lui. Lui, qui aura formé des générations de généticiens en France, sera obligé de mendier à l'étranger les bourses et les subventions pour recruter des collaborateurs. S'il put continuer ses recherches, ce fut grâce à des crédits américains, anglais, néo-zélandais et à ceux de l'Institut Claude Bernard. Galilée eut plus de chance. Il ne fut ni agressé ni dénigré. Il n'eut pas droit à des graffitis menaçants. Même sa condamnation en 1633, tout aussi regrettable qu'elle fût, était moins bornée et moins péremptoire que celle que l'on prononça
contre le jeune, car elle était suspendue à la vérification expérimentale de sa théorie. Dans les débats du procès, on reconnaissait explicitement qu'elle serait caduque dans le cas où l'on apporterait les preuves décisives de la mobilité de la Terre. Ces preuves ne purent être fournies que 100 ans plus tard, par les observations de Bradley sur l'aberration de la lumière, et à partir de ce moment, les censures furent levées. On ne l'empêcha même pas de poursuivre ses recherches, qu'il put continuer dans sa ville d'Arcetri, entouré de ses disciples, Viviani, Torricelli, Peri, etc., où il avait été assigné à résidence. C'est là d'ailleurs qu'il écrivit son œuvre la plus importante, le « Discours sur deux sciences nouvelles », qui jetait les bases de la mécanique moderne. Bien entendu, il ne s'agit pas de minimiser la gravité et l'importance du cas Galilée en pensant qu'il ne s'agissait que d'un faux problème, d'un simple malentendu. Il y eut bien une mauvaise appréciation des rapports entre la connaissance scientifique et la foi théologale, une perception encore imparfaite des limites et de la portée de la science expérimentale à leur naissance, ainsi que la méconnaissance des principes fondamentaux de l'exégèse biblique, tels qu'ils sont admis aujourd'hui par tout le monde. Et il est certain aussi que Galilée eut beaucoup à souffrir de la mesure disciplinaire dont il fut l'objet, comme le reconnaît le rapport de l'Académie pontificale des sciences de 1992. Mais il ne faudrait pas croire non plus que la réhabilitation de Galilée, voulue d'une manière officielle et formelle par Jean-Paul II en 1992, montrerait qu'il y aurait eu un changement d'attitude de l'Église, comme si celle-ci venait enfin de prendre conscience de ses torts. Le cas Galilée est en fait clos depuis des siècles. Voici en revanche qu'en plein XXe siècle, dans ce siècle où l'on se plaît à stigmatiser ce que l'on qualifie un peu vite d'obscurantisme de la foi, l'on assiste à ce spectacle étonnant. La recherche scientifique d'un brillant chercheur est freinée dans son essor, au moment même où l'on commence à envisager la possibilité d'une avancée dans la théorie. La thérapie d'une maladie grave. Et il est troublant de constater que l'ostracisme dont il fut victime provenait justement des milieux scientifiques et de ceux qui se font apôtres de la tolérance et pourfendeurs de l'obscurantisme religieux. Les intuitions du professeur Lejeune ont été largement confirmées par la suite. La perspective de ses recherches visait à faire taire, comme il le disait, le chromosome en excès, soit en le supprimant, soit en le neutralisant. Tout récemment, deux équipes américaines sont parvenues justement à obtenir in vitro l'une l'expulsion du chromosome supplémentaire et l'autre sa neutralisation. Bien que l'application thérapeutique reste lointaine, il s'agit d'un pas en avant considérable qui confirme l'espoir de guérison de la trisomie 21. Science et foi. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la vie de Jérôme Lejeune ? Plusieurs. Tout d'abord que l'on peut être savant et croyant. Il est toujours réconfortant pour un croyant de savoir que des personnes particulièrement intelligentes, dont la compétence scientifique est unanimement reconnue, intègrent parfaitement la foi dans leur système de connaissances et dans leur vie. De nos jours, en entendant parler de science et de l'Église, beaucoup pensent aussitôt au procès de Galilée, et ils ignorent que les grands savants, qui sont à l'origine de la révolution scientifique du XVIIe siècle, Copernic, Galilée, Newton, Kepler, étaient profondément croyants. Croyants étaient aussi des grands mathématiciens comme Cauchy, Cantor, Gauss, Euler, pour ne citer que les plus célèbres, ainsi que des physiciens comme Ampère, Volta, Faraday, Maxwell, Marconi et bien d'autres. Il est bien connu que Pasteur était croyant. Le père de la génétique moderne, Gregor Mendel, était moine catholique. L'auteur de la théorie du Big Bang était un prêtre belge, Georges Lemaître. La liste serait trop longue si l'on voulait énumérer les savants de renom qui étaient croyants. De fait,
il ne saurait y avoir de contradiction entre la science et la foi. La science et la foi abordent les questions avec des méthodes différentes et avec une perspective différente. Un exemple peut aider à le comprendre. Un botaniste et un poète qui examinent une rose établissent des considérations différentes. Le premier expliquera, que sais-je, la texture cellulaire des pétales, la manière dont la semence évolue en fleurs, ou les conditions pour qu'elle s'épanouisse, etc. Le poète, lui, décrira les émotions que la rose suscite, les symbolismes qu'elle évoque, etc. Les deux regards sont vrais, et il n'est pas dit que le regard du scientifique soit plus vrai, plus profond, ou même plus utile que celui du poète. Il en est ainsi d'ailleurs pour tout ce qui fait notre quotidien. Tout a plusieurs significations, selon le point de vue considéré. Si le regard sur les choses, l'appréciation de leur valeur, les interférences sur le comportement étaient tout simplement celles d'un scientifique qui mesure et calcule, notre monde et notre existence seraient bien pauvres. Bien des personnes, il est vrai, se contentent des explications scientifiques qui, disent-elles, suffisent à leur vision du monde. Mais d'autres se demandent légitimement si ce qui est vraiment important a été dit et pensent que l'explication technique et scientifique ne suffit pas à comprendre notre monde, l'homme, la vie, la culture. Ce regard plus complet que l'on porte sur la réalité est un atout et une richesse. Prétendre que la science puisse juger de sa vérité ou de sa validité est abusif, tout simplement parce que la science regarde la réalité sous un angle bien particulier et, disons-le, assez rétréci. Pour cette même raison, la science contemporaine ne peut contredire la foi. Ce serait confondre le plan de validité des conclusions scientifiques et celui des affirmations de la foi. Le physicien Robert Millikan, prix Nobel en 1923, ne craignait pas de déclarer « Je dois affirmer catégoriquement que l'incroyance est dépourvue de tout fondement scientifique. J'estime qu'il n'existe aucune opposition entre la foi et la science. » À l'époque actuelle, de nombreux scientifiques sont agnostiques et un certain nombre, cela est plus rare, se déclarent même athées. Mais cela ne tient pas à une quelconque incompatibilité entre la science et la foi. Le problème est plutôt d'ordre culturel. Les succès de la science moderne ont contribué à populariser l'idée que la méthode des disciplines scientifiques, alliant la vérification expérimentale et les mathématiques, est la seule forme valable de connaissance. L'agnosticisme, voire l'athéisme, se trouve ainsi favorisé par le manque de sensibilité et d'intérêt pour les problèmes religieux, par l'affaiblissement de la capacité de percevoir la portée et la valeur des questions métaphysiques, et aussi par la carence dans la formation. Mais nullement parce que l'on aurait atteint un âge adulte où l'on aurait enfin compris que, aujourd'hui, une personne intelligente et cultivée ne peut être croyante. L'exemple du professeur Lejeune, comme celui d'autres scientifiques contemporains de tout premier plan, nous montre justement que ce n'est pas le cas. Un autre enseignement du cas Lejeune est que la science et la religion ont besoin de s'éclairer réciproquement. Par exemple, les progrès de la génétique, qui nous révèlent chaque jour davantage les secrets de la vie, confortent les intuitions de la foi qui invitent à considérer l'embryon comme un être humain. Récemment, le monde scientifique a récompensé, par l'attribution du prix Nobel, des travaux montrant que l'utilisation des cellules souches adultes rend totalement inutile l'expérimentation sur les cellules souches embryonnaires. Une fois encore, l'Église, en condamnant la manipulation des embryons, s'est montrée, comme le disait Jean XXIII, mater et magistra, mère et éducatrice. Mais, comme on l'a vu, quand le sens du sacré est absent ou s'estompe, les mêmes progrès de la génétique par lesquels on a pu montrer que l'être humain est présent dès la conception ont servi à faciliter la banalisation de l'avortement. On peut faire de la science une œuvre sainte pour le bien de l'humanité ou une arme de destruction et d'avilissement. Einstein disait en 1940 que la science sans la religion est boiteuse,
et la religion sans la science est aveugle. En effet, la foi ne peut ignorer les progrès de la science sous peine de se trouver coupée du monde, qu'elle devrait éclairer, comme le montre le cas Galilée. Inversement, la science qui se ferme à l'horizon de la religion est incapable de comprendre le sens de ce qu'elle cherche, comme le montre le cas Lejeune. Et dans ce cas, toutes les dérives sont possibles. Il suffit de penser à la menace nucléaire, aux manipulations génétiques, aux problèmes posés aux libertés individuelles par le développement de l'informatique, aux atteintes à l'écologie et au respect de la nature. De cela, beaucoup de gens sont conscients. L'homme contemporain se sent de plus en plus faible pour porter sur ses épaules le poids du vertigineux progrès de la science qu'il a lui-même engendré. Il existe une tragique disproportion, note Stanley Jackie, entre les instruments et les techniques que l'homme utilise et les objectifs qu'il poursuit. Et il cite à ce sujet ce que disait le capitaine Achab dans le roman de Melville, Moby Dick. « Toutes mes méthodes sont sensées. Mon mobile et mon objectif sont insensés. » En ce sens, la figure du professeur Lejeune est exemplaire, car, éclairé par la foi, il s'est efforcé d'empêcher que le progrès scientifique ne soit la victime de ses chimères et que l'homme ne se convertisse en instrument de ses propres instruments. Un matin de Pâques. Jérôme Lejeune mourut le matin de Pâques de 1994. Quelques jours auparavant, il avait été hospitalisé car il souffrait d'un cancer du poumon. La paix et la sérénité avec lesquelles il acceptait sa situation et les souffrances dues à sa maladie étaient saisissantes. Ce qu'il regrettait, c'était de n'avoir pas pu mener à bien les recherches pour ses petits malades. À ses enfants qui lui demandaient ce qu'il souhaiterait léguer à ceux-ci, il avait répondu « Je n'ai pas grand-chose, vous savez. Alors, je leur ai donné ma vie, et ma vie, c'est tout ce que j'avais. » Les petits qu'il soignait, informés de sa maladie, priaient pour lui et lui envoyaient des lettres touchantes, exprimant leur désir de le revoir. Oui, cela dut avoir à ses yeux bien plus de valeur que le prix Nobel et les honneurs auxquels il avait renoncé pour ne pas se laisser enfermer dans le déni de la vérité. En ce matin de Pâques, du monde entier affluèrent des télégrammes, puis des lettres de condoléances. Informé de sa mort, Jean-Paul II adressa dès le lundi de Pâques un message exceptionnel au cardinal Lustiger. Il est difficile de ne pas voir un signe dans le fait que le Seigneur l'ait rappelé à lui le jour même de la résurrection. La résurrection du Christ constitue un grand témoignage rendu à la vie, laquelle est plus forte que la mort. Cet appel à la vie a constitué une ligne directrice de toute la vie de Jérôme Lejeune. En sa qualité de savant biologiste, il se passionna pour la vie. Dans son domaine, il fut l'une des plus grandes autorités au niveau mondial. Divers organismes l'invitaient pour des conférences et sollicitaient ses avis. Il était respecté même par ceux qui ne partageaient pas ses convictions les plus profondes. Il a toujours su faire usage de sa profonde connaissance de la vie, spécialement de la vie des enfants à naître, qui, dans notre civilisation contemporaine, est souvent menacée au point que l'on peut penser à une menace programmée. Il a parfaitement assumé la responsabilité particulière du savant prêt à devenir un signe de contradiction, sans considération des pressions par la société permissive ni de l'ostracisme dont il a été l'objet. Lors des obsèques du professeur Lejeune à Notre-Dame de Paris, Bruno, un enfant trisomique, s'empara du micro et, dans la cathédrale bondée, il improvisa un panégyrique qui se terminait par ces mots « Merci, mon professeur Lejeune, de tout ce que tu as fait pour mon père et ma mère. Grâce à toi, je suis fier de moi. Ta mort m'a guéri. » Le procès de canonisation de Jérôme Lejeune a été ouvert en 2007. La première phase, l'instruction diocésaine, s'est terminée par la déclaration solennelle prononcée en la cathédrale de Paris le 11 avril 2012.
شدوا